Bonjour à toutes, et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau Rit Club. Aujourd'hui, on parle comics indépendants avec un comics qui m'a été chaudement recommandé, que ce soit sur YouTube, sur les forums, dans les librairies, par mon libraire directement. C'est une série sortie chez iComics et qui ne comptera que trois Tome. Actuellement moi j'en ai lu deux. Je vous fais cette chronique, ça m'évite comme ça de vous spoiler la fin sans le vouloir. Je veux parler de Invisible Kingdom. C'est euh, au scénario on a Willow Wilson et au dessin on a Christian Ward. Alors pour vous situer l'histoire, ça a quand même été... Esner Award 2020 de la meilleure nouvelle série, Esner Award 2020 du meilleur artiste numérique, et c'est aussi dans la sélection officielle du Festival international de la BD d'Angoulême en 2021. Donc vous comprenez bien que mon petit esprit de lecteur qui se laisse emporter par la passion des gens n'a pu que craquer devant ce comics. L'acheter pour le lire et vous en parler, mais finalement on y va ou on n'y va pas sur ce Invisible Kingdom. Alors, de quoi ça parle Eh bien, on est dans un univers de surconsommation avec une grosse entreprise de distribution qui s'appelle Luxe. Pour vous situer, c'est un équivalent d'Amazon, mais dans toute la galaxie. Les gens consomment, commandent énormément, énormément. En parallèle à ça, il y a une religion, voire une secte, qui euh, est adepte de la renonciation. C'est-à-dire qu'ils gardent les yeux fermés ou ont une coupole qui les empêche de voir et donc de craquer à la tentation de la consommation. Ils essaient de renier euh, tout ça. Les deux héros de cette histoire sont euh, d'un côté Grix, qui est une femme qui est capitaine d'un transporteur et donc qui travaille pour cette société luxe, cette société de distribution qui a des règles très dures, notamment sur les retards, etc. Vous voyez un petit peu l'ambiance. Notre deuxième héroïne s'appelle Ves et vient de rentrer dans cette secte de la renonciation donc vous voyez très bien l'antithèse de ces deux personnages qu'apparemment tout oppose mais je fais que l'une comme l'autre va découvrir un énorme complot une bombe au niveau du fonctionnement de cet univers je ne vous l'en dis pas plus mais qui fait que Tant l'église de la renonciation on va vouloir la peau de Ves, tant Lux va tenter d'avoir la peau du capitaine Gritz. Voilà euh, le postulat de base. Ça nous amène dans un space opéra euh, de très bonne facture. Vous vous rendez bien compte hein, qu'il y a dans tout ça une grosse critique de notre système actuel qui est poussée euh, à l'extrême, je euh, dis de temps en temps, on n'est pas euh, super loin euh, de tout ce qui se passe. Euh, on est dans une société qui critique aussi, finalement, dans un bouquin qui critique un petit peu les religions qui sont elles aussi poussées à l'extrême euh, sur le dogme d'une mère, un mère un peu supérieure, comme ça, euh, chef de, de, de cette église. Et voilà! Entre deux, on a tous les codes de, euh, du space opera, on a du voyage intergalactique, on a des euh, planètes aux coutumes très différentes, euh, tant euh, culturelles que même en mode de fonctionnement. Euh, on a euh, on a de l'action, ok, on a de l'action, mais aussi de temps en temps avec des plans, comment se sortir de telles galères et donc on tente des plans, on échafaude, on échafode des sangs pour s'en sortir. C'est vraiment un bon, bon, bon euh, scénario. Euh, les personnages, le tome 1 prend bien le temps d'installer les univers. Et puis bon, il y a peut-être la rencontre là qui est un peu, euh, hop vite imbriqué, mais on a que trois tomes, et donc il faut que les personnages se rencontrent. donc il y a une petite astuce, euh, peut-être scénaristique, mais elle n'est pas dérangeante, c'est là, maintenant, avec le recul, moi ça fait deux semaines que j'ai terminé de le lire, et donc c'est là, en décantant, en parlant avec vous, que c'est peut-être le petit quoi, mais c'est vraiment bon, quoi. c'est vraiment un bon, bon scénario, c'est un chouette univers, c'est euh, pas quelque chose qu'on voit couramment, euh, dans le comics, j'ai l'impression, euh, ça passe super bien. Si j'ai un petit bémol euh, là-dessus, c'est sur le dessin. Moi, le dessin ne m'a pas emporté. C'est pas le style de dessin que que j'aime. C'est un petit peu, euh, je trouve, c'est un petit peu, un petit peu brouillon. Ça manque un petit peu de de, de finesse. Ouais. Euh, je suis d'accord. C'est un dessin qui amène un petit peu sur. Euh, je pas dire, un petit côté utopique, un petit côté, euh, voilà, un petit côté, ça colle bien au space opéra, ça, co ça colle au style, ça colle à l'histoire, ça ne dénature pas l'histoire, c'est vraiment moi qui ai, euh, qui ai un drôle de rapport avec, avec ce dessin, c'est bien passé, hein. j'ai passé un chouette moment, vous savez, j'ai pris mon temps pour le lire, et quand le rythme de lecture, et normal et permet de profiter du bouquin c'est que ça nous le transporte je le dis souvent, voilà, il y a juste ça peut-être que les dessins au premier abord pourraient vous rebuter, hein, comme d'habitude de toute façon vous voyez des, des captures de la BD qui sont en train de parler pendant que je parle donc vous ferez votre avis euh, là-dessus euh, mais voilà, je suis passé au-dessus mais euh, quand je vous ai un SNR Award pour euh, pour le meilleur artiste numérique ouais 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 c'est c'est un style un style qui ne m'a pas ne m'a pas franchement plu mais en tout cas si vous cherchez de l'originalité hein, on est dimanche et vous savez maintenant sur la scène dimanche on parle un petit peu plus indépendant et un petit peu on sort des, des blockbusters et eh bien je vous conseille fortement ce euh, Invisible Kingdom donc qui est en trois tomes les trois tomes sont d'ores et déjà sortis le troisième tome est sorti fin 2021 donc vous pouvez y aller franchement moi, je vous fais un avis sur les deux premiers tomes. Je n'ai pas la fin du récit que je dois seulement lire, seulement acheter. Mais voilà. C'est un bon space opéra avec deux bonnes ambiances. J'ai hâte de connaître la suite, je vous le conseille euh, fortement, fortement, fortement. Si vous l'avez déjà lu et que vous n'êtes pas du même avis que moi, que ce soit sur le dessin ou peut-être sur le scénario, peut-être que ça ne vous a pas plu, les commentaires sont là. Je vous rappelle qu'en description, il y a tous les liens pour retrouver ces BD euh, à la ces comics à la SOS. Euh, N'hésitez pas si cette vidéo vous a plu à euh, vous abonner. Il va arriver beaucoup de choses puisque mardi, on, euh, mercredi, on va parler de euh, Spawn Renaissance dimanche prochain. On va parler de Bitter comme comics indépendants et puis le mercredi suivant, on parlera euh, d'Injustice euh, puisque j'ai terminé l'intégralité euh, de cette série. Euh, moi, je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao et n'oubliez pas. On ne parle pas du Rit Club, mais on peut le partager. Ciao!